On remonte le temps, direction l'église Saint-Étienne-du-Mont, dans le 5e arrondissement, pour un spectacle immersif sur l'histoire de Paris. À l'époque, la ville s'appelait Lutèce. Allumez les bougies. Chant d'époque, sonneur de cloches et de nombreuses bougies. Bienvenue au 5e siècle pour un spectacle historique sur Sainte-Geneviève, la patronne de Paris. Ces bougies, il y en a beaucoup dans le spectacle, il y en a près de 1600. C'est parce que c'est les 1600 ans de la naissance de Sainte Geneviève. Nous ne fuirons pas Lutèce. Sainte Geneviève, ayez confiance. C'est elle. De la chute de Rome jusqu'au baptême de Clovis, le spectacle Paris s'appelait Lutèce raconte en 8 tableaux les origines de Paris. À nos anciens. Un parcours immersif au cœur de l'histoire. On essaye de montrer aux spectateurs à quoi pouvait ressembler Paris au 5e siècle et ce qu'ont vécu les Parisiens à cette époque. De l'intérieur à l'extérieur, 3 mois de fabrication de décors ont transformé l'église Saint-Étienne-du-Mont en salle de spectacle. Ça fait 6 ans qu'on a la chance d'animer des sites historiques, des châteaux, des églises, pour en raconter l'histoire. Et c'est faire vivre ces lieux de façon tout à fait différente. 400 bénévoles répètent ainsi depuis le mois de septembre. Ils joueront en alternance. Moi, j'avais jamais fait de théâtre, donc j'apprends aussi beaucoup tout ça, tout ce qui est la mise en scène, jouer un rôle, et puis c'est sympa. Encore en répétition, le spectacle est prévu du 3 au 12 décembre. Merci pour votre fidélité. Bon week-end.